Alors justement, quand on cherche à se préparer pour de telles épreuves, que ce soit le 10, le 20 ou le 53 km, on va augmenter en intensité ou en charge, comme tu as pu nous l'évoquer tout à l'heure. Et à force justement de progresser dans son entraînement, ça peut arriver que justement lors de l'entraînement, on ait des crampes. Est-ce que tu aurais un petit peu des conseils à nous donner justement pour les éviter? Alors la crampe, elle peut être due à plusieurs phénomènes. D'abord, ça peut être une déshydratation, donc sur des efforts longs. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut essayer de s'hydrater le plus régulièrement possible, à base d'eau. Mais ça peut être aussi un dysfonctionnement au niveau cellulaire, donc un manque notamment de minéraux. D'où l'intérêt des boissons d'effort qui vont vous apporter à la fois une quantité d'énergie, c'est un apport énergétique, mais qui vont vous apporter aussi des minéraux et des acides aminés ramifiés qui vont permettre aux muscles de fonctionner plus efficacement et plus longtemps. Ensuite, vous pouvez avoir des crampes également si vous avez manqué de préparation. Donc ça, c'est vraiment dans le domaine de l'entraînement, il va falloir préparer le muscle à l'effort. Et justement, certains, quand ils s'entraînent un petit peu plus fort, portent des fois des chaussettes de contention ou du textile compressif. Est-ce que tu penses que ça peut éviter un petit peu les crampes, les améliorer sur le plan musculaire? Oui, bien sûr, ça va limiter un petit peu les lésions musculaires, donc le fonctionnement cellulaire au niveau des membranes va être les lésions là-dessus vont être un petit peu plus faibles, donc ça, bien sûr que ça aura un intérêt. Alors justement, beaucoup de coureurs font, à mon sens, commettent une erreur. Très souvent, pour courir par exemple à 20 km, ils vont vouloir faire 20 km à chaque sortie. Est-ce que c'est véritablement une bonne idée pour s'entraîner, surtout pour ceux qui débutent? Est-ce que plus on va s'entraîner, plus on va véritablement progresser et s'améliorer? Alors, oui, quand on débute, plus on va augmenter la charge dans un premier temps, plus notre niveau va augmenter. Après, il faut essayer de comprendre que l'entraînement, c'est le développement de certaines qualités physiologiques. Et pour développer ces qualités physiologiques, il va y avoir des méthodes bien précises. Voilà, ça pourrait être la puissance aérobie, l'endurance aérobie, le renforcement musculaire. Donc, il va y avoir tout un tas de séances différentes dans le but de développer l'une ou plusieurs qualités physiques lors d'un entraînement. Donc l'objectif, c'est de développer les qualités qui vont être nécessaires à la course que l'on prépare. Alors bien sûr, elles vont être différentes en fonction du si on prépare, si on prépare le 10 km ou le 53 km. Mais donc l'entraînement va être très varié. Il va y avoir des périodes où on va développer certaines qualités, d'autres on développera d'autres qualités. Donc non, il ne suffit pas de courir 20 km pour faire 20 km en compétition. Ce n'est pas une question de distance ou de temps d'effort. Ça va être vraiment une question de dosage, d'intensité et d'agencement d'entraînement, de planification en tout cas. Donc pour résumer, tu es en train de nous dire qu'il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité, en ayant donc du coup des entraînements peut-être un petit peu plus fréquents et surtout plus variés. Bien sûr, la variété, c'est vraiment un grand principe pour moi de l'entraînement, à la fois physiologiquement mais aussi mentalement. C'est vrai que si on répète sans cesse les mêmes séances, on va saturer au niveau mental. Et puis, comme tu le dis, c'est un mixte quand même entre volume et intensité. Bien sûr, plus on va préparer une course courte, plus l'intensité sera importante. Donc là, on va vraiment privilégier l'intensité. Plus la course sera longue, plus on va privilégier tout de même le volume. Sans négliger l'intensité. Donc ça va être vraiment un compromis entre les deux. Le curseur, on va le placer un peu plus haut ou un peu plus bas en fonction de ce qu'on prépare.